Au Japon, la tradition veut que les jeunes filles offrent des chocolats à l'élu de leur cœur. C'est comme faire du stop sans savoir où on va. Ce sont les autres et le hasard qui vous guident. C'est jamais vous qui décidez. D'imbéciles. 14 février, jour de la Saint-Valentin. Fouille générale! Je te fouille aussi! Merci! Et ça aussi, c'est pour moi! Allez, videz vos sacs!
Donnez-moi ça, confisqué. Allez, montrez ce que vous avez confisqué. Et ça aussi, désolé, c'est confisqué. Et là, on a quoi? Oh, c'est pas possible. Oh non, vous en avez aussi confisqué. Allez, allez. Va faire foutre. C'est dégueulasse. Ça, c'est quoi, confisqué? Professeur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Keiko? Et les tiens, ils sont pour qui, mademoiselle? Hein? Non, ils sont pas pour moi. Trois mois auparavant. Keiko veut que tu sois son petit copain. Tu n'oserais quand même pas dire non? On n'est vraiment pas gâtés dans la classe, tu sais. T'es le seul mec potable, alors Keiko t'a choisi. C'est un compliment? Tu n'as pas de copine, non? Non, pas vraiment. Alors, t'es à moi. Ah! Eh bien, Jougon, t'es un sacré tombeur, toi. Et t'es un vrai rebelle en plus de ça. Laissez-le tranquille! Ça suffit, de quoi je me mêle, Keiko? T'auras pas de traitement de faveur, même si ton père est vice-principal. Ah! Keiko, qu'est-ce qui se passe, Keiko? Hé, Keiko, où es-tu? Keiko, oh, Keiko. Papa, Keiko. Monsieur Uchiyama, il a vraiment dépassé les bornes. Il faut que tu fasses quelque chose. Monsieur Kenji Furano, vice-principal, professeur de chimie, de physique et de biologie. Et un prof de merde. Monsieur Uchiyama... Les objets qui n'ont rien à voir avec le cours sont interdits en classe. C'est le règlement, non? Oui, vous avez raison. Écoute-moi, Keiko. Je te rachèterai du chocolat plus tard. Oh, il me fait peur, celui-là. J'en ai vraiment peur. C'est un vrai maniaque et un emmerdeur. Je vous entends, Furano. Oh, non, c'est... La cloche a sonné, je dois y aller. Et oui, c'est l'heure de la pause. Hein. Keiko, accroche-toi. Papa! Les objets qui sont sans rapport avec le cours trouveront une nouvelle vie dans la poubelle. Oh non! Hey! Point final! Deuxième concours lycéen de scarification. La victoire sera nôtre. Dites-nous ce que vous avez fait de nos chocolats. De nos chocolats, de nos chocolats. Captain Kiriko, qu'en pensez-vous? Je veux retourner. Et où? Dans la terre. Est-ce que vous voulez vous couper? On le veut. C'est pas bon de s'entailler si vite. Il faut d'abord qu'on s'échauffe. D'accord. Tendez les poignets. Vous êtes prêtes? Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça suffit, stop, je suis fatiguée. Stop, tu as raison. Récitons les incantations pour renforcer nos liens. Allez, bien fort! Taille le poignet! Tout son cœur! Poignet taillé! Bon travail, les filles! Le concours est dans quelques jours.
On va répéter ensemble le slogan, vous êtes d'accord? C'est parti. Attention, chope le cutter, taille le poignet. Chope le cutter, taille le poignet. Et un peu, un peu. Beaucoup, beaucoup. Passionnément, passionnément. À la folie, à la folie. Expression libre, expression libre. Mettez-y plus d'entrain. Hé, attends, Jugon. Dis donc, tu marches vite. Mais... qui es-tu? Je suis en classe avec toi. Je m'appelle Monami. En fait, je suis nouvelle. Oh! Mon nom est Monami. Je suis ravie d'être parmi vous. Elle est arrivée en fin d'année. Elle est très belle. D'habitude, c'est plutôt le genre de fille qu'on remarque. Mais là, c'est pas le cas. Personne ne voit si elle est là ou pas. En fait, elle est souvent absente. Parce que, comme elle le dit si bien... Il y a trop de soleil et la lumière est trop forte pour mettre le nez dehors. Et cette cape que tu portes, ça vient de ton ancienne école? C'est un héritage de ma mère. Elle ne te plaît pas? Viens par ici. Hein? Prends-le, c'est du chocolat. Tu l'acceptes? Tu l'as encore, toi? Tu parles de la fouille générale? Non, le prof ne me l'a pas confisqué. Le paquet est trop petit, il n'a pas dû le voir. Ça doit être ça. Je n'ai pas été courageuse. Je n'ai préparé qu'un tout petit morceau de chocolat. Mais tout s'est très bien passé. Tu sais quoi? Je crois que si ça a marché, eh bien c'est grâce à Dieu. C'est lui qui voulait que je te le donne. Alors maintenant, tiens, accepte. Ce goût me rappelle quelque chose. C'est comme quand on se coupe un doigt en faisant la cuisine et qu'on se lèche après. Mais c'est du sang. Club. Comment est-ce que t'as fait, toi, pour bronzer comme ça? J'ai fait des UV dans le centre de Tokyo. Hé, Rika, tu te fais un chewing-gum? Il doit être vert. Je t'emmerde! Ils sont noirs! Tout est noir chez moi! Tu piges pas? Désolée. Ok, ok, ok. Quelqu'un veut du café? Peut-être un bon café au lait? Je vous emmerde! Je ne prends que du café bien noir, c'est clair? C'est quoi cette manie de mettre du blanc partout? Tu te prends pour Michael Jackson? Il avait vraiment un problème, ce mec. Il poussait toujours ses cris. Ouh! Ouh! T'es un noir, pauvre gars! Un noir! Arrête!
Arrête! Je sais qu'on doit être bronzé pour être à la mode, mais on n'est pas des noirs. T'en fais trop, là. Black Power! On est des filles à la mode, oui ou non? On a prêté serment, oui ou non? Merde à la fin! Alors, vous avez oublié ce qu'a dit Obama? Change! 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 Change, ouais, ouais, change, ouais, change, ouais, change, 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 yes we can, 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 oui on est noir et on a le rythme, on a le rythme dans la peau, le rythme et le pouvoir, yes we can, 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 yes we can. Où est-ce qu'elle va? Salut Jogon, ça va? Tu es absent depuis 3 jours. T'as l'air un peu bizarre. Tu n'as pas l'air en très grande forme, non? Quelque chose ne va pas? C'est bien, tu sais. Pour commencer, tu ne montres aucun signe de rejet. Ça veut dire qu'on est compatible. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je parle du petit gâteau. Mais oui, c'est ça, dans le chocolat. Il y avait une crème. C'était quoi? Donne-moi la recette. Ça? Eh bien, c'était tout simplement mon sang. Quoi? Oh, mon Dieu, je suis gênée. On s'en fout que tu sois gênée. Pourquoi est-ce que tu fais un truc aussi glauque? Parce que je suis tombée amoureuse de toi. Si tu veux, on pourrait commencer à vivre ensemble, toi et moi. Je sais pas quoi dire. Je me sens... Je sais pas, on dirait que je suis différente depuis que j'en ai mangé. Tu veux bien qu'on se parle plus tard? C'est qu'il y a trop de soleil. Je ne peux pas rester longtemps dehors. Quoi, Jogon? De quoi est-ce que tu parlais avec la nouvelle? Keiko? Du chocolat, tu sais, les petits... Du chocolat? Cette fille a osé t'offrir un chocolat de Saint-Valentin, c'est pas possible! Même Keiko n'a pas pu t'en donner. Et alors? Tu l'as mangé? C'est oui ou non? Oui ou non? J'ai envie de boire son sang. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Jogon, est-ce que ça va? Tu m'entends? Oui, oui, tout va très bien. C'est joli, Peter. C'est le plus tranchant de tous ceux que j'ai jamais eu. Pour le concours, c'est exactement ce qu'il nous faut. Capitaine! Quoi? Luffy et moi, on voudrait vous offrir un cadeau. Un nouveau cutter, c'est pas la peine, j'en ai déjà. C'est pas ça du tout, tenez, capitaine. Oh, ouais. Et garanti sans pesticides. Et puis c'est parfait pour votre ennemi. Merci beaucoup. Capitaine, on veut vous voir dans votre meilleure forme pour le concours. Kiriko, mon capitaine, est-ce que tu sens le cutter qui te démange les veines? Coupe-toi les veines. Coupe-toi les veines. Coupe-toi les arrives. Coupe-toi la verticale. Coupe-toi. Et à l'horizontale, et en diagonale. Violent, violent. Écoutez-moi, c'est le Christ des tailleurs de poignets. Vive le sang. Bonjour. J'ai des vertiges et aussi mal à la tête. Ah oui? Vous voulez des médicaments? Ou vous préférez vous allonger un peu? Elle, c'est Midori, l'infirmière nymphomane de l'école.
Tous les garçons sont fous d'elle. Par ici. Alors, tu es prêt à boire du sang? Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en tires plutôt bien. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie de boire du sang? Tu es un vampire. Tout comme moi. Et comme tous les autres vampires, je bois du sang. Et toi, tu as mangé un chocolat que j'avais mélangé avec mon sang. Maintenant, t'es à moitié vampire. Bois-en encore et tu seras un vrai vampire. Tu verras bien. Mais moi, je veux pas. Jugon, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Rien du tout. Dis donc, toi. Tu peux me dire ce que tu essaies de faire avec mon petit ami? Raconte un peu. Il faut que tu me dises, c'est ça ton type de fille? Elle n'a pas l'air sympa. Mais tu peux pas dire ça devant elle. Qu'est-ce que tu dis? Interrompu. Si tu veux bien, on reprendra plus tard. Plus tard? Je crois que c'est le nouveau gardien de l'école. Il paraît que le précédent gardien a disparu le mois dernier. On l'a jamais revu. Dans cette école n'est qu'un vaste subterfuge. Oh, je suis le plus grand scientifique du siècle, Fourano, le génie. Le professeur Frankenstein a enfin trouvé son dit successeur. Un beau jour, je découvrirai le mystère de la vie humaine. Sois un peu reconnaissant. Tu vas participer à mes recherches géniales, hein? Oh, mais bon sang! Mais il est encore vivant, Midori! J'essaie de ressusciter les morts, mais il fallait que tu le tues avant! Je m'en occupe. Oh, c'est pas génial!
possible. N'importe quoi, c'est pas du tout un chef-d'œuvre. On s'est planté. Tu vois bien que c'est une nature morte, alors qu'il était censé vivre. Mais c'est complètement nul. Il paraît que Monsieur Uchiyama aime bien espionner les filles. Il y a un bruit qui court. Que mon amie donne rendez-vous au garçon et qu'elle se fait payer. Ah, t'en es sûr? Faire courir des rumeurs insultantes, ça fait partie de la stratégie de Keiko. C'est ce qu'elle fait? C'est ce qu'on dit. Et tu le fais pas, toi? Jamais de la vie. Dommage, tu devrais. Ça n'a pas pris longtemps. Quelques jours plus tard, Monsieur Uchiyama avait disparu. Le cours va commencer. Mais je m'en fiche. Tu t'inquiètes pour Uchiyama? Comment tu le sais? Tu crois qu'il avait découvert mon secret et que j'ai bu son sang, non? Oh. Quoi? Mais j'ai jamais dit une chose pareille. Mais c'est la vérité. T'es sérieuse? C'est dangereux pour une fille de se promener seule le soir. Eh, je peux t'inviter? Qu'est-ce que t'en dis? Si vous voulez. Ouais, et tu veux boire quoi? Du sang bien frais. Hein?
Regarde, il a pris mon meilleur profil. Arrête, tu me fais flipper. Tu es venu vers moi et tu étais ivre. Maintenant, je le suis aussi. Bonsoir, professeur. C'est pas bien de sortir tard, mais c'est bien pire d'espionner les jeunes filles. Regarde, Igor est en train de brûler le corps d'Uchiyama. Igor? Est-ce que t'es en train de me parler du nouveau gardien? Tu le connais? Je dirais que c'est mon serviteur. Attends, non. Non, c'est plutôt mon esclave. Ton esclave? Quoi? Tu veux dire que tu as aussi tué le précédent gardien pour que Igor puisse prendre sa place? Bingo! Comment ça, bingo? C'est très pratique d'avoir un serviteur toujours à portée de main. Il brûle mes cadavres. Et le gardien, c'est parfait pour traîner dans l'école. Personne ne se doute de rien. Je voulais te demander, dis... Tu as réfléchi? On va vivre ensemble, toi et moi? Je me sens perdu dans le temps. On m'appelle Afrorika. Mais mon vrai nom est Anaka Tanaka. À l'école, je porte du maquillage de cinéma. Pourquoi suis-je née japonaise? Je voudrais faire partie de la plus cool des races. Je vise un record mondial. Celui de la fille Ganguro, la plus rapide du 100 mètres. Le monde m'attend. Je viens du Japon, mais je vais conquérir l'univers. Pas vivre ensemble. Je t'explique. Tu bois mon sang et tu deviens un vampire comme moi. Et tu resteras un vampire pour toujours. Alors ça te tente? Non, pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout.
Une fille ose te confesser son amour. Elle se jette à l'eau et t'offre même un chocolat de la Saint-Valentin. Tu n'as pas le droit de lui dire ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as mis du sang dans le chocolat, pas de l'amour. Voilà donc le sang que tu m'as apporté. Mais on se calme, d'accord? Je suis désolée. Professeur, je vous avais pourtant dit de perdre cette habitude. Chinois va commencer. Voilà. Zhou Yon. Répétez après moi. Zhou Yon. Zhou Yon. Oui, Zhou Yon. Ça se dit Yuan en japonais. Il y a un film qui s'appelle comme ça. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Oui, toi. Toi aussi, bien. Oui, le réalisateur est très bon. Le film est en trois parties et les Américains en ont fait un remake qui s'appelle The Grudge. Ça signifie la rancune. Répétez après moi, The Grudge. The Grudge. Bien, revenons aux idéogrammes car c'est un cours de chinois. Voici une nouvelle phrase. Ils sèchent les cours tous les deux. Elle est très importante. C'est vrai, c'est louche. Ouais. Bien attention quand vous faites vos idéogrammes. Cela peut vite représenter autre chose que ce que vous vouliez dire. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Keiko? Il y a un problème avec mon cours? Maudit soit celui qui m'interrompt. Le sol de l'infirmerie. Il n'y avait qu'une goutte, et ce sang appartient à mon ami. Ce sang est à mon ami? Mon ami? La petite nouvelle. Mais elle ne se fait pas remarquer. Elle vient souvent à l'infirmerie. Je me charge d'elle aussi. Regardez-moi cette petite fille!
précieuse. Mais qui est-elle vraiment? C'est mon amie. Oh, je la veux, celle-là. Oh. 13e concours lycéen de scarification. Un vampire. Bien. Mais maintenant que tu connais mon secret, je dois malheureusement te tuer. Attends. Dans ce cas, je veux bien être un vampire. Sage décision. Allez, avant qu'on nous interrompe encore, viens. Le chasseur de vampires l'a poursuivi. C'est ça, François Xavier? Je protégerai mon bonheur. Je le protégerai. Toi, mon fils du diable, tu m'es témoin. Tu ne pourras pas t'échapper. Sumo de l'enfer. Thank you.
pauvre femme. Et quel âge as-tu? Ça fait longtemps que j'ai arrêté de compter. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Hein? Oh, oh. C'est quoi? Oh. C'est rien. Elles sont remplacées. Montre-les-moi. Encore un peu? Allez, recommence. Oh. Cette fille! C'est un monstre! J'ai vu son sang! Il était vivant, il bougeait! C'est pas du sang humain! C'est normal, je suis un vampire. Un vampire? Arrête! Tu vas te faire tuer! Non, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas tuer celui que j'aime. Et puis lui aussi, c'est un vampire maintenant. Oh, regarde! Quelque chose du genre. Toi aussi! C'est impossible! Tout ça, c'est ta faute, espèce de salope! Chaud de vin! Elle connaissait notre secret. Au moins, on aura gagné du temps. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, si elle a vu mon sang, c'est que quelqu'un d'autre doit être au courant. J'aurais dû l'interroger. Enfin, mais c'est pas le problème. Mais si, c'était bien le problème.
Cette fois, ça y est. Je vais enfin pouvoir aller au bout de mes recherches diaboliques. Professeur, je vous en prie, venez vite. C'est Keiko. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, là-haut, regardez. Oh, regarde, ils arrivent. Eh bien voilà, les ennuis commencent. Et comment est-ce que t'as fait ça? Toutes mes condoléances. Je vais pouvoir couper son corps en petits morceaux. N'importe quel père rêve de pouvoir faire ça à la chair de sa chair. Quel bonheur! Ma fille! Ma jolie petite fille adorée! Je vais pouvoir tout découper! Mais professeur, c'est un peu malsain quand même. Toi, tu la fermes! Il ne faut pas interférer dans l'œuvre d'un génie. Je suis désolée. Il me faut d'autres morceaux. Il me faut d'autres morceaux. Le lycée public de Tokyo connut alors une épidémie de meurtres. La peur envahit l'établissement. Kiriko, la gagnante du concours de scarification, ses bras pourtant habitués à résister aux coups de cutter, ont été tranchés net. Afro-Rika, la capitaine africanisée du Ganguru Club, ses jambes, fortes comme celles d'un athlète noir, ont été sectionnées. Kohan, professeur de chinois, ses poumons assez solides pour supporter des gaz d'échappement, si solides qu'il pouvait fumer 10 cigarettes en même temps, ses poumons si résistants ont été tranchés d'un coup de hache. Derrière tous ces meurtres se cachait Midori, l'infirmière sexy qui faisait fantasmer tous les élèves. Elle était devenue une véritable tueuse psychopathe. La tueuse en série a fini par être démasquée par les membres de l'association Sauvons le lycée de Tokyo, les victimes d'enlèvement et les élèves. Jogan, viens avec nous. Encore un enlèvement. Mon ami, rendez-vous ce soir au gymnase. Keiko, de retour.
Mon ami. Tu es en retard. J'ai cru que tu ne viendrais pas. Oh, à vrai dire, j'avais pas vraiment envie de venir vous voir. Oh, ouais. Maintenant, tu sais qui est la meilleure copine de Jugon. Tu vas le laisser tranquille, t'as compris? Ça, c'est toi qui le dis. Tu veux encore rivaliser avec moi? Une nouvelle. Ça reste tranquille dans son coin. Et ça rivalise pas avec moi. C'est bien ce que j'ai essayé de faire. N'est-ce pas, Jugon? Arrête! Surtout ne me demande rien! Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne comprends pas quand je te parle? Ne sous-estime pas mes avant-bras. Ce sont ceux de Kiriko. Ni méchante d'athlète kangourou. Vampire Girl et Frankenstein Girl pour l'élu de leur cœur. Et mes sentiments dans tout ça. Besoin de notre aide. Ah, attendez, attendez. Voici venir le juge. Sonnez les tambours. Ah, attention. Professeur Furano, c'est quoi ce déguisement?
Je vais disséquer ta petite amie vampire. Elle sera la clé de mes recherches. Et je vais devenir le maître de l'univers. Quoi? L'infirmière Midori? Que pourrait faire un simple lycéen comme moi au milieu d'un combat de monstres déments? Ha ha ha!
Échappement chinois. Ça gaffe. Adieu, vampire girl. Bon voyage en enfer. N'abandonne surtout pas! Courage! Tu es Vampire Girl! Il te faut quoi? Du sang? Il te faut du sang? Vas-y, ouvre la bouche! Bien joué, mon ami. C'est toi, la meilleure. Moi aussi. Je t'aime. Oh. Je t'attendais. Utilise ta cape. Je ne peux pas. Quoi ? Oh.
Oh, on va mourir ensemble? Mais non. Pour deux, elle ne tiendra pas. Mais pour un seul, ça ira. Je protégerai mon bonheur. Oui, je le protégerai. Mon ami! Tu crois qu'un simple gardien peut vaincre un vice-principal? Hein? Rejoins-moi! Ça, c'est facile à dire. Mais je manque sérieusement de sang. Le temps s'est arrêté. Tu ne peux pas changer ma vie et puis m'abandonner. Je ne pourrai pas vivre sans toi. Prisonnier de ce corps. Pour des milliers. Et des milliers d'années. Depuis le jour où maman est morte, je vis toute seule. Mon ami. Prends-le. Tu as vécu comme ça pendant des années. Tu l'acceptes? Je n'ai pas compris quand tu m'as donné le chocolat. Parce que... Je n'ai rien compris. Je suis tombée amoureuse de toi. Et si tu veux, on pourrait commencer à vivre ensemble, toi et moi. Une fille te confesse son amour, elle se jette à l'eau et t'offre même un chocolat de la Saint-Valentin. Tu n'as pas le droit de lui dire ça. Je commence à comprendre. À quel point on peut se sentir désespéré. Quand on vit seul. Pendant des centaines d'années. J'étais l'espoir auquel tu te raccrochais. On y va? Mais... on va où? N'importe où, ça ira, non? Si tu le dis. De toute façon... je ne t'abandonnerai plus jamais. Je serai toujours là pour toi. Et tu seras là pour moi. Pour toujours, d'accord?
Igor n'a pas tenu le coup. À chaque fois que je crée un vampire, il finit par vieillir et dépérir au bout de quelques centaines d'années. Ça t'arrivera peut-être à toi aussi. Enfin, d'ici là, tu resteras avec moi. Je gagne. Tu veux dire que je remplace simplement Igor? Je suis un esclave? Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Frankenstein a évolué. Attends. C'est quoi ce truc? Il y en a eu combien avant moi? Ça fait longtemps que j'ai arrêté de compter.